foncez, osez, y allez. C'est fondamental. Alors, c'est très important, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus d'excuses pour ne pas la créer que de le faire. Et deuxièmement, il faut savoir qu'aux États-Unis, les cicatrices sont des trophées. Hein, et je dirais qu'en France, il faut oser, et chaque fois, même si on se plante, une fois, deux fois, trois fois, c'est autant d'expériences accumulées. Vous savez, moi, 30 ans de radial, 20 ans de radial et 30 ans dans l'industrie, c'est recréer en permanence, c'est réinventer la société. J'ai connu trois crises. À chaque fois, il faut réinventer, il faut repartir de l'avant. C'est des petites créations d'entreprises à chaque fois, quelque part. Alors, on a des équipes pour faire ça. C'est vrai qu'on ne part pas d'une feuille blanche. Mais je dirais que le principe est le même. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en l'avenir, surtout quand on est jeune. Bon, je dirais que, il faut profiter de cet enthousiasme, c'est un peu cette conscience pour créer une entreprise, et il faut le faire. Et même si on se plante, de toute façon, c'est une expérience extraordinaire. On apprend presque plus de ses échecs que de ses succès. Et ça, j'en suis persuadé même. Donc il faut y aller. Dans tous les cas de figure, c'est bon.